Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire une déco. Alors, en fait, j'ai plusieurs choses que je voudrais vous faire faire. Donc, déjà, j'ai un album, donc un storybook. Donc, c'est un album en 20-20, donc on en trouve aussi en 30-30. Donc, avec des pochettes donc, de tailles différentes. Donc, le format général, c'est du 20-20. Là, vous avez par exemple des emplacements pour mettre 4 photos à peu près. Ça ne doit pas faire 10 par 10, mais un petit peu plus petit. Ici, vous avez la page en entier en 20-20. Ici, vous avez deux en 10-15, plus une bande de petits morceaux comme ça. Donc voilà, suivant le format, ici, vous avez toute une bande. Vous pouvez mettre une photo. Et là, deux photos en 10 par 15, debout. Donc là, pendant les vacances, je me suis amusée avec mes petites filles. J'ai des vêtements anciens, donc je les ai déguisés. Et j'ai pris des photos que j'ai après retouchées en noir et blanc, en mettant un voile légèrement rosé par-dessus. Par exemple, celle-ci est en couleur. Et avec ça, j'ai prévu un cadre photo, comme un attrape-rêve. Et avec ces pages-là, eh bien, je vais remplir mon album. Donc, ça va être un deuxième exercice. Donc, je vais utiliser pour ça donc, mes pochettes transparentes. Donc, en général, c'est un album qu'on peut utiliser sur une année. Et donc, chaque semaine, on fait quelques photos et on met semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et on raconte un petit peu ce qui s'est passé eh ben, à la maison. Alors moi, j'aime bien faire ça, mais ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça que je n'ai pas commencé cette année. Hein, on va en faire un pour le début de l'année. Mais je vais plutôt l'utiliser pour mettre des photos comme ça de mes petites filles quand elles viennent. 3-4 fois dans l'année, à l'occasion, mettre des photos à l'intérieur, plutôt faire un album de mes filles et de mes petites filles en gros. Donc là, pour ça, je vais utiliser ce classeur. Alors, si vous en voulez, il y en a dans différentes couleurs, je peux vous en avoir chez mon fournisseur. Avec les pochettes, il suffit de me le demander par mail. Ensuite, je vais utiliser des papiers. Donc, ces pages, j'ai pris ces teintes-là qui sont dans les boîtes à pizza. Donc, vous avez dans les boîtes à pizza 50 feuilles de marque connues en 30-30 pour 20 euros. Voilà, donc c'est en ce moment. Donc, vous avez ces motifs-là également. Alors c'est aussi recto verso, mais moi je vais utiliser plutôt ces teintes-là dans les verres et tous ces camaïeux-là pour utiliser avec la collection des fraises de chez Prima Marketing. Donc là j'ai pris le calque transparent, ça va aller dans les pochettes photos. Ensuite je vais utiliser au niveau des papiers les nouveaux Frosty and Bright de chez Crafter Compagnon. Donc là sur le devant vous avez des échantillons de papier en plus des pages qui sont à l'intérieur. Donc vous avez par exemple le pailleté comme ça, le nacré blanc, un autre pailleté. Bon le vert je ne l'utiliserai pas, c'est pas la même teinte. Et par exemple la couleur fraise, là, fraise framboise. Alors je vais, oups, hein, essayer de sortir la page. Ça va s'accorder avec également. Alors je vais remettre ça dedans. Je vais utiliser donc les petits shakers, les embellissements pour shakers, les confettis en forme de fleurs, de fraises et de petits cœurs de toutes les couleurs pastel rose. Donc ça. Ensuite, j'ai les paquets de cartes Ephemeria assortis. Donc là, j'ai ouvert le premier paquet de 44 Ephemeria. Celui-ci, il y en a 52. Donc je vais garder les deux. Je vais utiliser les deux. Pour l'instant, j'ai ouvert que ce paquet. Regardez, il y a des petits onglets. Là, c'est trop mignon, même pour faire des livrets de recettes de confiture. Je trouve que ça va super bien avec. Donc je vous avais fait une vidéo pour vous montrer la collection. Il y a des petits tickets, des fraises. Oh là là, là c'est les onglets avec l'alphabet. C'est vraiment super mignon. Ça j'adore, j'adore. Il y a plein de petits trucs comme ça dedans. Et alors moi, donc comme ce sont les deux sœurs, donc je vais utiliser la photo en couleur de mes deux petites filles avec Sweetie. Donc comme ce sont les deux sœurs, je vais utiliser avec le petit embellissement qu'il y a dedans. Où les deux. Alors regardez ces petits fox, là c'est mignon, il y a des papillons.
où les deux sœurs sont ensemble comme ça de dos pour faire un petit rappel avec cette photo. Alors ça, et puis je vais regarder à l'intérieur ce que j'utilise aussi. Je vais utiliser les fleurs de la même collection. Elles sont super jolies. Alors, il y a différents modèles. Là, ce sont des plus grandes qui sont ourlées. Vous les avez en boutique. Et les rubans, alors la dentelle plutôt, qui est en coton, brodée, ajourée, avec des petites fraises comme ça dans les trois teintes. Donc, ça va également avec les papiers de fond, enfin que je vais utiliser, les papiers de fond. Donc, ça, c'est pour l'album. Ensuite, on fera donc un cadre photo façon attrape-rêve. Donc je vais utiliser les cœurs en métal comme ça que vous avez dans la boutique. Alors je sais plus, hein, c'est dans les 2 euros je crois ou quelque chose comme ça. Il y en a même un qui est en rose, déjà tout rose. Donc ça je vais l'utiliser pour la photo en couleur et on va faire une façon attrape-rêve. Et après je verrai ce que je mets, soit la laine, bubble, je verrai après au fur et à mesure qu'on va le faire. Moi pour l'instant l'idée c'est de prendre le cœur, donc pour faire cette déco, le cœur, des papiers de fond de la boîte à pizza, le calque je vais le garder pour... donc ce serait joli aussi comme ça par transparence. Non, je le garde pour l'album photo. Et je vais voir si je fais des petites découpes avec ça. Voilà, bon, ben c'est en le faisant au fur et à mesure hein, qu'on va voir ce qu'on va utiliser. Voilà, je range un petit peu, on se retrouve après. Donc l'idée de départ, c'est ça. Donc je vais utiliser un petit peu de cartonnette. Alors ça, c'est ce que vous avez dans l'emballage des cartons gris en A4. Donc je l'utilise parce que c'est très pratique, je les garde. Donc là, ma photo, alors je vais pouvoir placer par exemple la photo. Alors attendez, je vais essayer de remonter un petit peu la caméra. Donc je vais essayer de l'utiliser, de mettre la photo soit au milieu du cœur, soit en décalé d'un côté ou de l'autre. Je pense que je vais la mettre plutôt un petit peu sur le côté droit, parce qu'ici je voudrais rajouter les petits personnages. Et des fleurs, évidemment, pas mal de fleurs, dont ces grosses, là, elles sont vraiment superbes. C'est vraiment très, très joli. Et la dentelle, là, je vais complètement ouvrir le paquet. C'est super joli, super joli. Peut-être utiliser un petit peu de rose. Ah, et le vert, il va très bien avec aussi. Bon, je vais trancher en mettant un petit peu de rose. Donc là, je vais regarder comment je vais pouvoir utiliser la dentelle. Par exemple, alors je vais faire le test sur le côté gauche. Puisque le papier, je vais y arriver. Je regarde s'il y a un endroit. Oh, c'est beau des deux côtés. Je pense que c'est là, quoique. Bref, c'est beau des deux côtés. Alors, admettons que je mette mon papier comme ça. Donc, je ne vais pas faire trop de hauteur de dentelle. Mais, par exemple, commencer comme ça. 1, 2, 3, 4 fraises. Ce serait suffisant. Je vais recouper ici, tout en sachant que là, on aura encore des embellissements. Donc ça, c'est l'idée de départ. Là, je peux cacher cette partie-là qui n'est pas très jolie. Le gazon est brûlé en ce moment. Il fait très chaud, on n'a pas le droit d'arroser. Donc du coup, il est brûlé. Donc ma photo, je l'ai recoupée, j'ai enlevé un petit peu de blanc. En fait, je l'ai fait avec ma Canon Selfie. Et du coup, il y a toujours un peu de blanc en plus. J'ai redécoupé, j'ai laissé une toute petite marge de blanc. Alors, on peut la laisser en blanc ou on peut l'ancrer, mettre un petit peu d'encre rose autour. On va voir ça ensemble. Du coup, j'ai pris quelle taille? J'ai pris 9,5 par 14, alors donc plus 2 mm autour. Donc je vais prendre un papier, je vais redécouper le papier de fond, je vais garder ces pois verts, ça fait un peu comme les points qu'il y a sur les fraises.
Donc c'est bien sympa, en laissant pas trop trop de papier vert autour, admettons un demi centimètre. Il faudrait que je coupe mon papier à 10 et demi. Donc je vais prendre une petite note, 10 et demi. Alors je laisse donc un centimètre de plus par rapport à la photo, à peu près, par 15. Là, c'est pour recouper ce papier-là. Le papier de fond. Et je garderai ce papier parce que ça va peut-être me servir pour faire mon album aussi, pour décorer des pages de l'album dans les mêmes tons et ainsi ne pas perdre de papier. Donc là, on a dit qu'on allait garder 4 fraises. Donc on va pouvoir couper au ciseau ici tout droit. La dentelle brodée, ajourée. Ça fait comme de la broderie anglaise. C'est vraiment très joli. Et bien sûr, là-dessus, à l'arrière, c'est là qu'on va découper notre morceau de cartonnette. Donc il est un petit peu plus petit que la surface du papier de fond, mais c'est pas grave. On va recouper ça. Alors l'arrière, je vais le laisser blanc, donc je vais coller de ce côté. On va déjà coller tout ça, enlever l'étiquette ici du cœur. Alors vous pouvez le faire sur un cercle aussi, hein. J'ai aussi des cercles dans la boutique et des nuages aussi, c'est mignon pour les chambres d'enfants. Et du coup, on va commencer par coller ça. Donc je vais prendre du double face. Donc ça, c'est pour renforcer. Après, bien sûr, il va falloir que ça tienne sur le cœur. C'est là qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Vous savez, moi, je fais les choses là en direct, comme je les sens. Et puis après, ben, on s'adapte. Hein. On s'adapte. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Faire à l'arrière. Voilà, c'est juste pour renforcer notre photo. Alors, on peut ancrer avec le rose. Vous pouvez utiliser le vieux rose. Ça nous fait déjà une base pour faire tenir la photo, la dentelle à l'arrière. Alors là, ben, si vous voulez ancrer légèrement vieux rose, et là, je vais coller ma photo par-dessus. Je trouve que c'est bien que ce soit effiloché ici. Ça fait pas trop trop net comme ça. On peut effilocher le haut. Le rendu sera plus sympa.
mettre ça à l'arrière. Donc on pourrait le recouper un petit peu, ça sert à rien de laisser tout ce surplus de tissu. Oups, j'ai pas coupé droit. Et on va coller. Alors, je veux bien qu'on voie les petits cœurs là au-dessus. Est-ce qu'on va les voir? Voilà. À l'arrière, donc ici, on va cacher le double face. On va découper un petit bout de papier. Oups. Je prends 2 cm de largeur. Et je vais pouvoir cacher ici le double face. Ça va maintenir aussi la dentelle. Déjà, on a une bonne tenue au niveau de la carte. Alors ensuite, on va rajouter des choses, parce que là, il va falloir... Alors soit... Alors c'est pas mal. Je vais peut-être perforer de chaque côté et puis tendre un fil pour aller jusqu'ici, et pareil ici, tendre la photo comme ça pour qu'elle soit maintenue. Donc je la décale un peu sur la droite, et du coup je pourrais coller encore du papier. Pour faire tenir les embellissements. Allez, je vais faire 2 petites perfos. Du fil. Donc je prends des restes de coton blanc de Bergère de France. Je vais faire 2 nœuds pour pas que ça bouge. Bon, après je vais mettre quelque chose pour décorer ici. On mettra, il y a des jolies étiquettes, on pourra mettre des fleurs. Donc là, je vais l'attacher ici. Je vais couper ce qu'il y a en trop. Et là, je vais essayer de tendre la photo. Alors, je vais d'abord faire un nœud aussi. Et là, maintenant, je vais me fixer sur... Alors, tout en sachant qu'on doit pouvoir glisser le fil ici pour ajuster la photo.
Donc là, en fait, c'est pas mal comme ça parce qu'on est accroché en diagonale. Il faut quand même que ce soit bien tendu. Alors, est-ce que ça tient? Ensuite, je vais coller ça et ça ensemble. Donc, du coup, ça devrait maintenir un petit peu plus, on va dire. Donc, je vais laisser les fils comme ça. Après, ce sera aussi contre un mur. Alors, c'est vrai que là aussi, on pourrait attacher le milieu. Alors, c'est pas mal. On va faire ça également. Du coup, ça va maintenir l'ensemble. Et puis, comme de toute façon, on va l'accrocher par le haut. Donc, comme ce sera accroché par le haut, il y aura un fil aussi. Donc là, je vais faire passer le coton. Alors on peut prendre l'aiguille à laine aussi, c'est plus pratique. Je fais double nœud. Et là, je vais pouvoir l'attacher au centre du cœur. Du coup, ça tient mieux, vous voyez? Ça va moins se balancer, puis ça nous permettra d'accrocher après sur le haut. Alors du coup, ça, là, c'est tendu. Voilà, si c'est tendu, ça tient à plat. En équilibre, donc c'est parfait. Et ça, on s'en servira pour accrocher là-haut. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Alors, on a du papier pailleté. Donc là, le rose, même le blanc, le nacré, là, c'est super joli. Donc, on pourrait rajouter un petit fond de papier à l'arrière, ici et là. Donc, vous mesurez. Donc là, je vais venir à même pas un tiers de la photo. Donc, à 8,5, vous allez recouper à 8,5 par 16,5. Et là, on va pouvoir coller ce papier à l'arrière. Comme ça, déjà, on a une... Alors, on essaie de ne pas sortir du cœur. J'en ai un petit peu plus sur le bas, mais ça fait joli quand même. Donc là, on va le faire sur l'envers, ce sera plus pratique. Donc mettre du double face.
Alors là, il faut coller droit. On va regarder d'avoir la même distance. 3,5, 3,5. Et là, on peut coller. Alors ça, ça vient au milieu. Ça, c'est tendu. Ok. Alors, on continue à décorer. Donc moi, j'aime beaucoup ces petites sœurs là, les petites frangines, avec leur chapeau aussi. Donc on est vraiment dans l'esprit bohème de la campagne. C'est trop mignon. Donc ça, j'ai envie de le coller comme ça. Soit, alors on a un petit peu de hauteur ici. Donc soit on met des mousses 3D à l'arrière ici pour récupérer la hauteur. Et on peut coller ça avec le pistolet à colle par exemple. Parce que là au moins, ça bougera pas. Ou on met un peu de colle avec le pistolet à colle. Et là, on a un petit décalage de hauteur. Qui n'est pas vilain. Ceci dit, c'est pas vilain. Il faut réfléchir à tout ça. J'ai vraiment envie de mettre cette grosse fleur par là. Alors là, non, ça va pas. Là où non plus. Non, je pense que là, c'est la bonne place sur le côté, comme ça. Et après, dans les embellissements, on a tout un tas de jolies étiquettes. Regardez celle-ci avec les petites chaussures, là, le bas de la robe, les petites chaussures et les fleurs dedans. Qu'est-ce que c'est mignon. Oh là là, j'adore. Je trouve que c'est trop joli. Le tag, comme ça, qu'on pourrait rajouter par là. Bon, là, il faut réfléchir quelques instants. Il y a tellement de jolies choses que j'ai dû faire une sélection. Donc déjà, je vais utiliser le petit renard qui est dedans avec son foulard pour faire un petit rappel avec Sweetie. Ici, on va cacher le fil. Donc là, j'utilise le tag qui est dans le paquet. Je vais ancrer légèrement le bord en rose. Et à l'arrière ici, la chute de dentelle qu'on a découpée ici, de ruban, je vais la coller à l'arrière. Je mets un morceau de double face et je vais coller le tissu à l'arrière. Ça, je vais le coller par-dessus, alors je dessous le cardstock pailleté rose et par-dessus le fil. Ça va tenir donc dessus ici et en dessous. Bon, je vais coller ça au pistolet à colle, hein, comme ça je suis sûre que ça tiendra bien. Et ici, je vais coller ça avec aussi un petit peu de colle, et derrière je vais mettre une mousse 3D de 3 mm. Sur le côté droit pour récupérer la hauteur de tout cet ensemble, comme ça. Ici, je vais découper un des petits tickets qui sont dans le kit de cartes. Je le placerai par ici en superposition, et ce papillon, ce demi-papillon qui est également dans les embellissements, celui-ci, j'ai envie ici de faire un petit pli
pour qu'il se relève, je vais le glisser légèrement sous mon papier à pois et comme ça il sera un petit peu en hauteur. Voilà, on pourra le glisser à l'endroit désiré. Ensuite, là je collerai les petits personnages, le bouquet de fleurs. On a aussi un petit texte bisous fraise pour toi ou pour vous. Donc je le collerai par-dessus la fleur, comme ça, pour faire un relief. Et ici on a un bouquet de fleurs qu'on va mettre aussi avec des mousses 3D pour garnir cette partie-là du gazon qui est tout séché. On va faire en fait un espèce de bouquet. Donc là je peux déjà mettre quelques mousses. Donc des 3 mm, on veut un peu de hauteur. Et lui déjà, je vais le glisser par ici. Les petites filles, donc je vais les descendre. Donc là, ce sera collé sur, sur le cercle en métal. Et ici, du coup, je vais mettre deux mousses 3D pour récupérer la hauteur. Alors, on va déjà commencer à coller tout ça avec le pistolet à colle. Donc, faites chauffer le pistolet. Ici, on a besoin de rajouter un petit peu de dentelle, de ruban, quelque chose. Donc, je vais mettre... Est-ce que j'ai un peu de dentelle double blanche? J'ai un petit bout ici. Je vais le faire passer à travers le tag. Comme ça. Et avec un petit bout de ficelle, je vais nouer ce tag, ce ruban. Donc, on a notre page qui est droite. Donc, la photo qui est droite. Donc, notre fil est tendu. On va mettre de la colle pour bien maintenir tout ça. Et on va passer notre tag par-dessus. Alors, sous... le cardstock pailleté et comme ça dessus le fil blanc. Ici on va pouvoir le coller ensemble. Le tout c'est que tout soit bien droit. Donc le renard, pareil, on va coller le fil et en plus comme ça, ce sera caché et on place notre renard par ici. Là, ça commence à avoir de la tenue déjà, le fait d'avoir ajouté tous ces éléments. Donc ça, c'est maintenu ici, donc pareil. On met un peu de colle au pistolet sur le cercle en métal, enfin sur le cœur. Et là, ça maintient cette partie-là. Donc le papillon. Alors ici, ça, on peut aussi le mettre avec des mousses 3D. Ça fait un relief sympa. Le papillon, ben lui, on peut le glisser avec un petit peu de colle.
Alors, il y a plein de belles choses, hein. Il y a encore ces fleurs-ci, les fraises, le petit oiseau, des rubans, des petits nœuds comme ça. Enfin, c'est tout joli. C'est tout joli, c'est tout joli. Donc là, pour ce côté, c'est bon. Donc les mousses 3D derrière le ticket. Alors j'ai envie de faire un petit rappel de dentelle verte. Enfin, un petit rappel de verre avec la dentelle pour faire un rappel avec ce papier. Donc le morceau avec les fraises. On va découper un bout. Donc 1, 2, 3, 4, 4 fraises par exemple. La largeur de 4 fraises. On va faire comme tout à l'heure, on va enlever cette partie-là qui est en trop. On pourra s'en servir aussi encore pour faire de la déco. En fait, on ne va rien jeter, là, tout est beau. Et là, ben, soit on en glisse un petit peu à l'arrière ici. Et d'ailleurs, on pourrait la laisser reposer sur le cercle en métal ou alors faire un petit plissé. Pour que ça reste juste derrière le papier ici. Alors, qu'est-ce qui est le plus sympa? Ben, je ne sais pas. Non, je pense que je vais rester dans l'idée que c'est droit comme ça. Il faut qu'il soit décalé par rapport à celui-ci. Ou alors en angle. Mais là, non, ça va pas trop se voir. Ça, c'est plutôt gênant de ce côté. Donc, on va coller. Je vais tout mettre à l'envers. Donc, c'est pas vilain sur l'arrière non plus. J'éteins mon pistolet à colle. Je cherche toujours l'endroit. Donc, ça, c'est l'envers. Donc, on va le coller de cette façon. Et peut-être faire un petit pli avec le dernier comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Le petit pli. De manière que ce soit pas trop long non plus. Donc comme mon pistolet à colle est froid, ça va pas très bien tenir. Donc je vais rajouter à l'arrière ce morceau de double face. On peut aussi faire quelque chose de propre en rajoutant un bout de papier à motif, une petite bande comme ça. Ça fera plus propre. Vous voyez, ça a de la tenue maintenant, ça y est, ça tient bien. Alors, je vais passer le fil derrière. Donc ici, je vais faire passer le fil, un fil dessus et un dessous le cœur. Et là, je vais faire un petit nœud pour avoir les deux fils ensemble et pouvoir l'accrocher à un clou ou à une punaise, enfin quelque chose sur le mur, une fixation. Donc là, c'est bon. Ici, je voulais rajouter cette fleur. Elle est super jolie. Donc là, ben, ça va être au pistolet à colle.
Elles sont en tissu, là. On dirait du tissu, là. C'est... Ah oui, c'est du tissu, carrément. Ah, c'est très très joli. Je vais raccourcir les fils. Alors, l'idée, ça va être de mettre de la colle sur les personnages, un peu sur le bouquet, sur le fil et sur l'anneau, bien sûr. Je le soulève du support pour pas que ça reste collé contre mon papier. Il y en a toujours un petit peu plus, du coup ça peut coller sur votre plan de travail. C'est joli. Et là, il va falloir que je mette un tout petit peu de colle. Pour coller le texte ici. C'est mignon, ça, des bisous de fraises pour toi. Alors, on a aussi les dots assortis. Donc là, on va pouvoir en placer à certains endroits pour faire des petits embellissements, que ça brille un petit peu tout ça. Là, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Je vais rajouter une fleur aussi. Donc là, ben je peux mettre une rose comme ça. Une grosse dot rose ici, dans l'angle de la photo. Faire un petit rappel de blanc aussi, avec les robes qui sont blanches. Même le orangé, ça va avec la couleur du renard. J'ai un petit peu de tulle pailletée que je pourrais ajouter par ici. À voir hein, si ça fait joli ou pas. Pas que ça fasse moche. En fait, il faudrait que ça remonte comme ça. Donc là, on va mettre des glues. Une petite glue à l'arrière ici. Une glue sur le métal, de manière à agripper le tulle. Elles sont transparentes, donc ça ne se voit pas. Une deuxième de l'autre côté. Du coup, comme le support est transparent, eh bien, ça permet de placer les dots par-dessus et de regarder si ça nous convient. Oh, c'est marrant d'en mettre plusieurs comme ça, je trouve. Ça fait un petit rappel avec les pois ici. C'est joli. Je vais en rajouter quelques-unes. Et encore une rose.
fait une petite cascade comme ça de perles. Donc ensuite, il nous reste des fleurs. Donc là, on a de quoi faire. Alors avant de coller les fleurs, ici, si on veut rajouter des fleurs, il va d'abord falloir coller nos fils si on veut faire un style d'attrape-rêve. Donc là, je vais utiliser la laine bubble. Donc vous pouvez prendre de la blanche ou une couleur dorée, beige. Il y a plusieurs couleurs dans la boutique qui peuvent aller avec. Je vais aller voir ce qui va rester. Je vais abandonner un petit peu, regarder les couleurs qui peuvent aller avec. Donc vous avez toutes ces teintes qui restent dans la boutique. Après, je vais les arrêter, ces laines, donc parce que j'aime bien changer d'article aussi dans la boutique. Donc ce sont les dernières. Vous pouvez regarder ce qui vous intéresse. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Et je vais prendre des longueurs, je vais dire à peu près 20 cm ou même un peu moins, 20 et 20, ouais, 40 cm. Donc du coup, plié en double, ça fait à peu près 20 cm. Donc vous le pliez en deux, vous passez vos deux fils dans la boucle et vous resserrez. Et là, vous allez avoir votre fil qui pend. Alors on peut faire un nœud. Si vous ne voulez pas que ça bouge, vous pouvez faire un petit nœud comme ça. Et on va en faire pendoyer tout plein pour remonter un petit peu par ici. Ou on peut remonter jusqu'aux éléments comme ça, les gros éléments placés. Et ensuite, on a encore des fleurs qu'on va pouvoir coller avec le pistolet à colle pour faire un ensemble comme ça et garnir un petit peu plus. Alors là, à vous de voir ce que vous voulez poser. En fait, elles sont... Je n'avais pas vu. Il y a un petit truc, un point de tissu. Ah oui, elles étaient collées sur le carton. Donc là, par exemple, je peux en rajouter une un petit peu plus foncée pour les tons fraises. Et descendre comme ça. Ah, elles sont toutes jolies. Ouh là là, le choix est difficile. Celle-ci, je vais plutôt partir sur une moins rouge et rajouter une ici sur le bouquet et celle-ci dans ce style-là, par exemple, ou dans l'autre sens, à coller au pistolet à colle. Mais d'abord, remplissez vos fils ici pour voir ce que ça donne. Allez, vous mettez tout un tas de fils et on se retrouve après. Pour terminer, donc voici les petits détails. Donc j'ai mis des dots, des petites fleurs donc dans les sequins avec les fleurs, les fraises et les petits cœurs. J'ai pas mis les fraises sur ce cœur puisque là on est plutôt dans les fleurs. Donc j'ai mis les toutes petites fleurs collées ici, un petit peu partout. Des cœurs, petites fleurs, des cœurs. Oh pardon, atchoum, ça vient du cœur. Ensuite j'ai mis du gel pailleté sur le contour des papillons. J'en ai mis un petit peu au cœur des fleurs également, sur le feuillage. Donc j'ai collé le feuillage. Alors je voudrais bien vous montrer le bas. Donc j'ai rajouté des fleurs et du feuillage. Qu'est-ce que j'ai ajouté de plus? Donc j'ai accroché mes fils bubble et je les ai coupés en pointe au bout comme ceci. Alors vous verrez mieux sur la photo, voilà, je vous montre un peu la longueur. En fait ça se voit quand c'est debout que c'est un petit peu en pointe. J'ai coupé avec le ciseau comme ça de part et d'autre. Donc voilà pour cet attrape-rêve, enfin ce cadre façon attrape-rêve. J'ai passé aussi de la cire, de la wax rose sur l'anneau. Bon, c'est très léger, hein, ça se voit pas beaucoup. Et sinon, vous pouvez mettre un petit peu de peinture blanche éventuellement ou le laisser naturel comme ça. Et sinon, il y en a aussi en rose directement
j'allais dire peint dans la boutique. Voilà, j'ai collé je vais y arriver. Le glossy, parce qu'il a un tout petit bout, donc là j'ai collé les petits cœurs et les fleurs avec. Voilà pour ces éléments qui sont collés ici. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce cœur, ce cadre façon attrape-rêve. Et bien maintenant, je vais aller l'accrocher dans une des pièces de la maison. Et je vous souhaite d'en réaliser un joli également et que ça vous inspirera pour autre chose. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. On va travailler avec la transparence et notre album. À bientôt!